Vous savez, quand on n'est pas de ce métier et que l'on partage avec vous une émotion aussi intense dans une matinée ensoleillée comme celle de ce 20 septembre de l'année 2003, eh bien, croyez-moi, on va conserver ça dans notre mémoire et on va mieux comprendre ce que représente un métier exceptionnel qu'est votre métier, le métier de mineur. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, eh bien, il y a tant de solidarité, il y a tant de fierté dans ce que vous faites. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, chacun va repartir avec ce petit morceau de charbon qui est le tout dernier extrait du fond de cette mine de Merlebach. On va maintenant, si vous le voulez bien, mettre en place sur ce plateau le pupitre, car nous allons passer à la phase avant-dernière, avant de nous quitter ce matin, à la présentation de quelques personnalités qui sont avec nous ce matin. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite accueillir M. Philippe Leroy, sénateur de la Moselle, président du Conseil général de la Moselle. Monsieur le Président, la parole est à vous. Mes chers amis, je voudrais avec vous dire que toute cette salle vient de ressentir de profonds moments d'émotion. Cette matinée est une matinée de nostalgie et d'espérance. Et je voudrais vous remercier, tous ceux de la mine, vous remercier tous les habitants de la Moselle-Est, vous remercier les charbonnages de France, les houillères du bassin de Lorraine, vous remercier, messieurs les représentants de l'État, qui avait permis que nous puissions vivre aujourd'hui dans l'émotion, dans la fraternité, ces moments d'espérance, mais bien sûr aussi de nostalgie. Je voudrais remercier tous ceux qui, au cours des 10 dernières années, ont contribué à faire en sorte qu'émergent ici des solutions. Remercier Gérard Longuet, lorsqu'il était ministre de l'Industrie, d'avoir su avec les mineurs, su signer le pacte charbonnier. Remercier tous ceux qui croient en l'avenir. Et remercier aussi les mineurs. Remercier les mineurs que je comprends. Je retrouve ici, chez les mineurs de Lorraine, ceux que j'ai connus dans ma jeunesse dans le Nord. Ils partagent les mêmes valeurs. La mine a été un creuset de république. La mine a su intégrer, pendant des années, a su intégrer ici, en Lorraine, intégrer des gens qui venaient d'horizons divers, de pays lointains, et en faire des Mosellans et en faire des Lorrains, fiers de leur métier, fiers de ce qu'ils ont fait, et fiers et espérants pour l'avenir. Je voudrais saluer les mineurs et saluer aussi ce moule républicain qu'a été la mine. Saluer aussi, et ne l'oublions pas, que le mineur a produit le charbon qui était le pain de l'industrie, cette industrie qui a formé l'Europe d'aujourd'hui. Et c'est encore le charbon qui a permis de fonder l'Europe sur ses valeurs industrielles. N'oublions pas que l'Europe est née de la communauté sur le charbon et sur l'acier, ici, en Lorraine, avec Robert Schuman. Robert Schuman, qui est un Mosellan, né au Luxembourg, étudiant en Allemagne. Le charbon est encore aujourd'hui source de partage avec nos voisins. Et je salue évidemment tous nos voisins allemands, les Sarrois en particulier, avec qui nous partageons l'avenir. L'exposition, il était une fois Merlebach, que nous avons vu tout à l'heure. Et Moselle-Est, terre d'entreprise, marque bien que cette région est en pleine mutation, qu'elle connaît encore une aventure technologique et humaine. Je voudrais au passage, vous dire que les mineurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. La Moselle est une terre industrielle. La Moselle doit rester une terre industrielle.
La Moselle ne trouvera, et la Lorraine ne trouveront leur plein développement que si elles savent utiliser dans l'avenir l'ensemble des possibilités de la palette du développement, y compris la palette de l'industrie. L'industrie reste une de nos forces. Ne négligeons pas l'industrie, nous manquerions l'avenir. Je voudrais, au passage, vous dire combien le Conseil général, ici, s'engage à vos côtés, s'engage aux côtés des familles des mineurs, aux côtés des familles de toute la Moselle-Est, auprès des communes également, pour s'engager, pour réaliser l'avenir. La mégazone industrielle, ici à Frémin-Merlebach, à Faré-Berswiller, est le signal, le symbole de cette foi dans l'industrie de demain. L'Eurozone à Forbach, avec nos amis sarrois, est également le signal de cette volonté de réussir ensemble, dans l'Europe de demain, un avenir vers la haute technologie. La présence désormais dans le bassin houiller d'un IUT, d'un institut universitaire de technologie, démontre que nous prenons tous les moyens de la formation et de la formation de nos jeunes pour marcher vers l'avenir avec optimisme. Enfin, l'engagement du Conseil général à vos côtés pour célébrer la mémoire de la mine, sa petite Rosselle au musée de la mine, qui sera dès l'année prochaine ouvert pour présenter les magnifiques machines que nous avons vues aujourd'hui, les présenter sur un site charbonnier. Je crois que le Conseil général est engagé aux côtés, à vos côtés, pour réussir l'avenir. Et le Conseil général, la Moselle, savent que nous pouvons ici compter sur la région et sur l'État pour réussir l'avenir. Mes chers collègues, élus qui êtes nombreux dans cette salle, mesdames, messieurs, ici dans le bassin houiller, dans la Moselle Est, mais il ne faudra pas gommer le mot de bassin houiller, il est cher à notre cœur, dans cette Moselle Est que nous aimons tous, qui est une partie centrale de notre département et de notre région, c'est un chantier enthousiasmant qui nous attend. Difficile, certes, il y aura encore des larmes, mais c'est un chantier enthousiasmant ici qui nous attend. Les hommes qui ont su dominer les dressants de la mine, ne sauraient jamais renoncer devant les obstacles. J'ai confiance en la Moselle. Vive la France, vive la République, Glück auf. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur de la Moselle, Philippe Leroy, président du Conseil général de la Moselle. Maintenant, la parole est à monsieur le président du Conseil régional de Lorraine, pour qui nous sommes extrêmement honorés et fiers d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui ancien ministre de l'Industrie et, à ce double titre, le père du pacte charbonnier de 1994. Monsieur Longuet. Ben, ça va être dur. Ça va être dur parce que d'abord vous êtes debout et qu'après une matinée, un poste de travail, on a enfin envie de boire un coup entre copains et d'arrêter les discours. Et ça va être dur pour moi, parce que pourquoi ne pas le dire, comme l'immense majorité des responsables ici, on a la gorge nouée, on a les boules. Parce que c'est quand même 150 ans qui s'arrêtent maintenant, et ça mérite le respect. Et après les mineurs, et après le cœur, j'avais qu'une envie, c'était de me taire. Mais je vais quand même parler pour dire une chose. Dans la vie politique, c'est pas marrant tous les jours. Il y a des coups durs, il y a des traquenards, il y a des déceptions. Et puis il y a des joies fortes. Je voudrais remercier les mineurs, je voudrais remercier l'Est Mosellan, je voudrais remercier les HBL de m'avoir donné ce qu'il y a de plus beau dans une vie professionnelle, pour voir rendre un tout petit peu de ce que l'on a reçu. Et je ne le dis pas à mon nom propre, je le dis au nom de la région Lorraine tout entière, parce que vous avez donné à la région Lorraine, à travers cette force symbolique de la mine, ces valeurs qui nous sont partagées, même si ici, dans le bassin charbonnier, elles sont portées à l'extrême de leur qualité, le sens du travail. Et on a vu ce travail qui produit, ce travail du bras peut-être autrefois,
mais ce travail des machines, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, solidaires pour sortir le charbon, car le charbon ne sort pas tout seul. Et cette idée du travail qui produit, vous la faites rejaillir sur l'ensemble de la région Lorraine, vous la faites rejaillir ici, sur le bassin charbonnier. Et lorsque Pierre Lang accueille par exemple un industriel, il le fait parce qu'ici, on sait qu'en Lorraine, dans le bassin charbonnier, on a la passion du travail et on sait d'où vient la richesse. Il vient du travail des hommes. Merci pour l'avoir prouvé. Et puis il y a ces qualités lorraines. Juste simplement, quand on est au fond de la mine, la sécurité dépend de chacun, qu'il soit ingénieur ou qu'il soit débutant. C'est la discipline, c'est la solidarité, c'est le respect mutuel qui assure le salut collectif. Et cette valeur de discipline, c'est une valeur moderne. C'est la valeur que vous laisserez en héritage à l'ensemble de l'industrie lorraine. Soyez-en remerciés. J'ajoute enfin, cher Alain Rollet, que vous avez eu raison de faire la fête. Parce que quand on connaît le prix de la vie, on aime fêter la vie lorsqu'elle est là. Et trop n'ont pas été au bout de leur vie professionnelle pour qu'on ne prenne pas un petit peu le temps de faire la fête. Alors tout simplement, un immense merci quand j'ai pu, par les hasards de la politique, il y en a parfois de bons, être le ministre de l'Industrie du gouvernement de Balladur et dire tout simplement au Premier ministre, il faut jouer la vérité, dire que l'on ne peut pas continuer d'exploiter le charbon au-delà du raisonnable, mais que nous avons un devoir de respect à l'égard de ceux qui y consacraient leur vie. Et ça a été un marché d'hommes, comme vous l'aimez ici. On a topé dans la main, ma meilleure émotion, je le dirais, juste pour rappeler ceux qui étaient là. Dans ce salon bleu de l'avenue de Ségur, la première réunion, aucun des ingénieurs du ministère de l'Industrie n'y croyait. Aucun des inspecteurs des finances de Bercy n'y croyait. Nous allions nous mettre autour d'une table et dire notre vérité et exprimer et construire notre solidarité. Notre vérité, c'est que l'on ne pouvait pas aller au-delà et qu'il fallait fixer une date et qu'il fallait cesser de mentir à ceux à qui on avait trop menti. Et en revanche, dire la solidarité du pays tout entier et apporter les moyens nécessaires pour que cela se termine en dignité. Et en effet, ces derniers wagonnets, c'est l'expression d'une dignité. J'aime mon pays lorsqu'il respecte l'homme, le travail et la solidarité. Merci. Merci, Monsieur le Président. On va terminer avec Bertrand Hagelstein, préfet de la région de Lorraine, à qui je donne également la parole. À vous, Monsieur le Préfet. Mesdames, Messieurs, chers amis, Simon, Gargan, Revaux, Wouters, Folquemont, Forbach, Merlebach, aujourd'hui, après avoir vécu avec vous des moments aussi forts, aussi intenses, nous ne pouvons pas ne pas penser à cette particularité, à cette spécificité qui est le métier des mineurs. Quand on a eu la chance et le privilège d'être accueilli au fond, comme vous dites, on sait qu'aujourd'hui, même avec la technologie ultra sophistiquée que nous avons vue sur les écrans, ce qui est en cause, c'est la solidarité, le sérieux, la volonté des hommes. Et naturellement, vous tous avez imprimé à cette Moselle Est, qui représente 11% de la population et de l'activité de toute la région, vous tous avez imprimé à cette Moselle Est, à l'histoire de France, à son histoire sociale, à son histoire industrielle, à sa capacité d'entreprendre, toutes ses qualités. Alors aujourd'hui, il faut constater, après le président Leroy et après le président Longuet, qui était le ministre de l'Industrie en charge de cette responsabilité à cette époque, que beaucoup a été fait pour organiser dans la clarté et dans la dignité la fin de l'activité des houillères.
la dignité, ça, c'est l'application du pacte social, Charbonnier. La clarté, c'est l'ensemble des initiatives qu'a prises Charbonnage de France et l'État pour patiemment, méthodiquement, systématiquement assurer la conversion de la Moselle Est. En visitant l'exposition, vous pourrez constater qu'aujourd'hui, après que vous ayez perdu dans l'activité de la mine des milliers d'emplois, plus de 17 000 emplois nouveaux, différents, les emplois de l'avenir, sont concentrés dans cette région de Forbach et de Merlebach. Si beaucoup a été fait, il reste naturellement beaucoup à faire. Et de ce point de vue, très brièvement mais très solennellement, je voulais dire aux représentants des collectivités locales que l'État continuera d'accompagner les efforts de progrès, les efforts d'organisation, les efforts de promotion de la Moselle Est. Nous le ferons par la directive territoriale d'aménagement du territoire qui va régir les grandes orientations de ce bassin minier. Nous le ferons en mobilisant les crédits du contrat de plan et des fonds européens. Nous le ferons en appuyant la réhabilitation des sites. Et vous savez que ce sera la priorité des houillères que de participer à trouver une nouvelle vocation, une nouvelle activité aux terrains qui seront désormais dégagés. Un mot encore. Un établissement public, industriel et commercial va finir bientôt. Il s'agit des houillères, puisque leur fin est programmée à l'horizon de 2007. Il y a deux questions qui font l'objet des réflexions et qui devront être résolues. La première question, c'est qu'il faudra bien qu'un établissement technique conserve la mémoire et la capacité opérationnelle qu'ont actuellement les charbonnages pour assurer à toutes nos communes, à toutes vos communes, la sécurité et l'aménagement. Je peux vous dire que les réflexions du gouvernement vont dans le sens de créer cette institution qui apportera cette sécurité et ce savoir-faire technique. Il y a bien sûr une deuxième chose qui est très présente à tous les esprits, que nous ne savons pas, les uns et les autres, toujours complètement résoudre dans la complexité française. C'est le constat que la dignité du départ des personnes qui ont 41, 42, 43 ans, il est maintenant, la dignité est assurée. Mais la capacité technique, la capacité de créer des richesses, la capacité d'apporter à sa région et à son pays une activité dont vous êtes encore capable, elle n'est pas totalement encore organisée. Je crois personnellement, j'ai toujours pensé ça, que essayer de trouver le moyen d'organiser le fait que les mineurs bénéficiaires du congé de fin d'activité puissent exercer une nouvelle activité parallèlement, ça n'est pas un appauvrissement, c'est une richesse pour la collectivité que nous sommes tous. Et leur capacité technique, ils l'ont montré dans l'histoire, peut beaucoup contribuer à la croissance et à la prospérité de la Moselle-Est. Vive la Moselle-Est, vive les charbonnages et bonne chance à tous.